Hey, bonjour à tous les amis, c'est Brazier, votre gamer favori. On se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 12 janvier 2024, donc avec toujours les retours des packs Marvel, donc avec le pack X23, donc avec X23 donc et ses deux custom comme vous voyez actuellement à l'écran, sa version Lego, la capsule de clonage qui est son accessoire de dos, les griffes en adamantium de X23, c'est sa pioche, et pour finir vous avez un signe X en vêtement d'armes, tout ça pour 2800 V-Bucks. Hors pack vous avez donc X23 avec ses deux custom, avec ou sans le masque tout simplement, avec sa version Lego et la capsule de clonage qui sont accessoires de dos, tout ça pour 1500 V-Bucks. Les griffes en adamantium de X23, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. En pack et hors pack. Ensuite vous avez le pack tenue X-Force, donc avec Psylocke, avec sa version Lego, son Shura Yuki qui est son accessoire de dos, Domino donc avec sa version Lego et son accessoire de dos sac de Domino, câble avec sa version Lego et la cape de câble qui est son accessoire de dos, tout ça pour 3000 V-Bucks au lieu de 4500. Hors pack, vous avez donc Psylocke avec sa version Lego et son Shura Yuki qui sont accessoires de dos, tout ça pour 1500 V-Bucks, c'est toujours la série Marvel, pardon. Avec Domino, sa version Lego et son sac de Domino qui sont accessoires de dos pour 1500 V-Bucks également. Câble donc avec sa version Lego et la cape de câble qui sont accessoires de dos pour 1500 V-Bucks également, voilà. Ensuite, vous avez leur pack d'équipement de la X-Force, donc avec la Psycholame qui est une première pioche. Le Psychoplaneur, c'est le petit planeur. Les dagues de probabilité, c'est leur pioche. C'est notre pioche. Et Force Irrésistible, la troisième pioche. Tout ça pour 2000 V-Bucks au niveau de 4000. Hors pack, vous avez donc la Psycholame, donc qui est la pioche pour 1200 V-Bucks. Le Psychoplaneur, c'est leur petit planeur pour 1200 V-Bucks également. La dague de probabilité, c'est la pioche de Domino. La première, c'était de Psylocke pour 800 V-Bucks. Et la force irrésistible, c'est la pioche de câble. Donc tout ça pour 800 V-Bucks. Donc également, voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez toujours l'explorateur intemporel, donc avec ses deux customs en tenue rare, qui est arrivé cette saison, qui est de cette saison et de ce chapitre. Donc avec sa version Lego et son émulateur de froid, qui est son accessoire de dos rare également, tout ça pour 1200 V-Bucks. Les stocks engourdis, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. La guitare intemporelle, c'est sa guitare rare pour 1000 V-Bucks. Beau boulot, c'est notre petite emote atypique pour 200 V-Bucks. Rage Kit, c'est notre emote atypique pour 200 V-Bucks également. Voilà. Ensuite, vous avez le retour du pack Kira, donc le pack emblématique avec Kira et ses deux custom en tenue rare. Donc, elle ne craint jamais de se démarquer. Elle fait partie ensemble Impact saison 4 chapitre 2, donc avec ses deux custom comme vous voyez actuellement à l'écran, avec sa version Lego, avec Impact Vert qui est son accessoire de dos rare également avec ses deux custom. Lame voyante, c'est sa pioche atypique, donc avec deux custom également. Voilà. Et pour finir, l'aigle vert qui est son petit planeur rare également, donc avec ses deux custom lui aussi. Voilà, donc en rose et en vert, donc tout ça pour 1700 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Kira avec ses deux custom en tenue rare avec sa version Lego et sa impact vert accessoire de dos rare avec ses deux custom pour 1200 V-Bucks. Lame voyante, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks avec ses deux custom. Aigle vert, c'est son petit planeur rare, donc avec tout simplement son planeur rare avec ses deux custom, pardon, donc pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Birdie, donc en tenue atypique avec ses deux custom. Donc, fait partie de l'ensemble Pro du Green saison 8, premier chapitre, avec elle jamais de mulligan, donc avec ses deux custom, comme vous voyez actuellement à l'écran. Avec sa version Lego pour 800 V-Bucks. La conquérante Galaxy qui fait son retour, encore une fois, donc en tenue légendaire, avec sa version Lego et ses mains Galaxy réagit aux éliminations. Donc, c'est son accessoire de dos légendaire qui réagit aux éliminations pour 2000 V-Bucks. Tescal qui fait son retour avec ses deux custom en tenue rare, donc ceux qui croisent son regard regrettent amèrement. Fait partie ensemble Armée Solaire saison 8 premier chapitre, donc avec sa version Lego et Ensorceleur qui est son accessoire de dos rare, donc avec ses trois avec ses deux custom, pardon, tout ça pour 1200 V-Bucks. Cœur, c'est une petite emote hippique disponible depuis la saison 4 premier chapitre, donc pour 800 V-Bucks. Groove raffiné, c'est une petite emote rare. Balancez votre meilleur choré, c'est dans 7 premiers chapitres pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez Benshee, donc le retour de Benshee en tenue rare, donc avec ses deux customs. Avec, fait partie ensemble, Lapin Guerrier, saison 9, premier chapitre, donc avec ses deux customs, comme vous voyez actuellement à l'écran, donc espion ou par défaut. Avec sa version Lego et Moshi, qui est son accessoire de dos rare, tout ça pour 1200 V-Bucks.
Genesis Originel, donc il fait son retour, enfin, tu ensemble Origin, saison 4, chapitre 2, donc avec sa version Lego pour 800 V-Bucks en tenue atypique. Jade, la rouge, donc avec ses 3 customs en tenue atypique. Comme vous voyez, donc il fait son retour également, donc comme vous voyez actuellement à l'écran, avec sa version Lego pour 800 V-Bucks. Rêverie, c'est une petite emote hippique. Les journées sont plus belles quand on danse, saison 7, premier chapitre, donc pour 800 V-Bucks. Le swing vivoltant, donc une petite emote rare pour 500 V-Bucks. Une danse qui prend de la place, saison X, premier chapitre, donc pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous êtes sur le pack, retour du pack, donc robotique Renegade, donc avec la sprinteuse Renegade, donc il partira sans robotique Renegade, donc saison 2, chapitre 4, donc avec sa version Lego. Avec son navre sac de sprinteuse, donc cousu pour la course, donc avec étoile Renegade qui est sa pioche atypique, pas besoin de 5 étoiles quand une seule suffit de frapper fort, donc voilà. Avec sa marque Renegade qui est son accessoire, son répandant pardon, rare, qui est réactif, donc qui réagit aux éliminations, donc. Et pour finir, donc vous avez retrouvailles entre Renegade, donc l'écran de chargement atypique, tout ça pour 1700 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez la sprinteuse Renegade avec sa version Lego. Et l'œuvre sac de sprinteuse qui sont accessoires de dos rares pour 1200 V-Bucks. L'étoile Renegade, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. Donc pack et hors pack. Ensuite, vous avez le retour de Pincera. Donc elle porte le venin le plus rare de l'île. Partie ensemble Rancœur Végétal saison 4, chapitre 4. Donc avec sa version Lego et sa mandibule hypnotique qui sont accessoires de dos rares. Attirez-les dans votre piège. Donc tout ça pour 1200 V-Bucks. La tigresse qui fait son retour, donc elle chasse en tenue rare, donc elle chasse selon un style ancestral, fait partie ensemble Résurrection des Anciens, saison 1, chapitre 2, donc avec sa version Lego, et l'âme de Jade qui est son accessoire de dos rare aussi, verte et vertueuse, donc tout ça pour 1200 V-Bucks. Le retour d'un chirurgien du terrain, donc avec ses deux customs, donc un scalpel vide fait partie d'ensemble l'escadron de soutien, saison 5, chapitre 1, donc avec ou sans chef, ou avec ou sans casque, pardon. En tenue hippique, donc avec sa version Lego et son brancard portatif qui est son accessoire de dos hippique, et marche comme sur des roulettes, donc tout ça pour 1500 V-Bucks. L'hélico médical, c'est son petit planeur hippique pour 1200 V-Bucks, donc pour les sauvetages à haut risque. Donc le goutte à goutte, c'est sa pioche rare, donc toujours à petite dose, donc tout pour 800 V-Bucks. Voilà, pas que, c'est son ensemble. Ensuite, vous avez le retour du pack et les Invincibles, donc avec le gardien du globe, donc avec Omni-Man, donc en tenue hippique, avec son accessoire de dos tête de l'immortel, avec sa cape d'Omni-Man qui est son premier accessoire de dos hippique, donc le tour en hippique, pardon, enfin son deuxième accessoire de dos hippique, et la cape emblème d'Omni-Man, donc c'est son troisième accessoire de dos hippique, Invincible, donc en tenue hippique, avec son sac burger Mart, donc sac burger Mart, donc qui est son accessoire de dos hippique. Atom Eve, donc avec son emblème d'Atom Eve, accessoire de dos hippique. La cape DF, c'est un premier accessoire de dos hippique. Et deuxième, cape emblème d'Atom Eve, donc c'est le deuxième accessoire de dos hippique. Tout ça pour 2800 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Invincible en tenue hippique, donc il faut sauver. Il sauve le monde, une crise à la fois, partie ensemble des gardiens du globe, donc qui est partie du Fortnite, du chapitre Fortnite original, donc. Du chapitre 1, donc avec sa version, avec sa sac Burger Mart, accessoire de dos hippique pour 1500 V-Bucks. Omni-Man, donc avec ses 3 accessoires de dos hippique, donc la tête de l'immortel, la cape d'Omni-Man et les capes emblèmes d'Omni-Man, donc tout ça pour 1500 V-Bucks. Atom Eve avec ses 3 accessoires de dos hippique également, elle aussi est en tenue hippique, avec emblème d'Atom Eve et cape d'Atom Eve et la cape emblème d'Atom Eve, donc tout ça pour 1500 V-Bucks elle aussi. Ensuite, vous avez leur pack d'équipement des gardiens du globe, donc avec. La balle hyper rapide, c'est une emote rare. La masse de War Woman, donc c'est la pioche atypique. Le bras de Reanimate, c'est une pioche rare. Les ailes subatoniques, une troisième pioche rare. Donc impressionnant, invincible, donc un pionnier vêtement atypique. Et gardien de l'île, donc écran de chargement atypique, tout ça pour 1800 V-Bucks. En pack, vous avez le bras de Reanimec, donc qui est la pioche rare pour 800 V-Bucks. La balle hyper rapide, l'imote rare pour 500 V-Bucks. La masse de War Woman, donc c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. L'épée subatomique, donc notre pioche rare pour 800 V-Bucks. Voilà. Pack et hors pack. Ensuite, vous avez toujours le pack Jaguar 619, le châssis atypique, donc avec ses stickers typiques. Produit circuit, euphorie, kraken.
Avis de tempête, rayures et le sommet, tout ça pour 1500 E-Buck. Ensuite, vous êtes sur le pack The Weeknd, donc avec Weeknd combattant, tenue série icône avec ses 3 customs, avec masqué, c'est son emote intégré, la Xio, c'est son accessoire de dos, la Xio, c'est sa pioche, la Sozio, son vêtement d'arme, Ripped Tendance, c'est sa petite emote, Grat Xio, c'est sa guitare, avec la Xio, son petit clavier, tout ça pour 3500 V-Bucks. Hors pack, vous avez Weeknd combattant, donc en tenue série icône avec ses 3 customs, avec masqué, c'est son emote intégré, et Xio, l'accessoire de dos pour 1800 V-Bucks. La Grat Xio, c'est sa guitare pour 1000 V-Bucks, et le clavier Xio, son petit clavier pour 1000 V-Bucks également. Le Rite de Tendance, c'est son emote série icône pour 500 V-Bucks. Et la Xio, c'est sa pioche pour 500 V-Bucks également. Ensuite, vous avez tous les titres musicaux, une vingtaine au total, un peu plus même peut-être. Avec le retour de Mécano, donc avec ses 2 customs en tenue rare. Avec sa version Lego et Distrito, son accessoire de dos rare également et ses 2 customs pour 1200 V-Bucks. La basse à molette, une petite basse rare pour 1000 V-Bucks. La boîte à pizza, c'est la batterie rare pour 1000 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez en avant la musique, donc avec Amplitude, donc avec ses 3 customs. La tenue s'illumine et change de couleur en fonction de la musique, donc avec ses 3 customs de base en tenue rare et sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Harmonie, c'est le même ensemble, donc avec ses 3 customs, donc la tenue elle est réactive, donc elle s'illumine et change de couleur en fonction de la musique, avec ses 3 customs également, avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Mélodie, donc en tenue rare également, donc avec ses 3 customs. Donc la tenue est réactive évidemment, donc c'est toujours l'ensemble en avant la musique, donc en avant la musique saison 7 chapitre 2, donc avec voilà avec plusieurs couleurs disponibles. Hein. Voilà, on peut changer la couleur du pantalon, etc. Donc il vaut je crois aussi. Avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks, passe-bande donc dans la tenue rare, donc c'est toujours le même ensemble avec la tenue réactive qui réagit et change de couleur en fonction de la musique avec ses 3 customs et sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Prodige de la pop, donc c'est le même ensemble avec ses 3 customs en tenue rare avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks également. Ensuite, vous avez toujours le pack Sentinelle Rebelle pour 18,49€, donc avec un accès permanent à la campagne Sauver le Monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant les 4 quotidiens dans Sauver le Monde. Terminez la défense du bouclier anti tempête d'oiseau 3 pour déverrouiller. Pour déverrouiller les quêtes et entamer ce pack de défis qui comprend la tenue d'Ara en épique avec sa version Lego et son fourreau d'AGP accessoire de dos rare et la pioche d'AGP des mercenaires qui est sa pioche rare, donc tout ça pour 18,49€. Ensuite vous avez toujours le pack de quêtes de l'exil et du vide, donc pour 9€, donc avec qui comprend donc absence guerrier du vide en tenue rare avec sa version Lego, son noyau du vide accessoire de dos rare et la rageuse du vide qui est sa pioche atypique, donc. Et en faisant, vous avez des quêtes pour obtenir les 1000 V-Bucks donc qui sont vendus avec le pack. Donc il faut accomplir les quêtes avec lui pour gagner les 1000 V-Bucks. Donc voilà, tout simplement. Hein, donc voilà. Hein. Voilà, tout simplement. Hein, pour 9€. Ensuite, vous avez toujours le pack Dignitaire Doré pour 17,25€. Donc avec Ambre Auric en tenue hippique avec sa version Lego, ses ailes à pointe creuse qui sont un accessoire de dos hippique. La coupeuse immaculée, c'est sa pioche rare. Ensuite, vous avez Camalité Flingueuse. Donc. En tenue hippique avec sa version Lego et son Diablo 20 biscornu qui sont son dodo hippique et sa hache flingueuse qui est sa pioche rare. L'Oriatan en tenue hippique avec sa version Lego, son coffre sous-marin qui sont accessoire dodo hippique et la trancheuse à harpon qui est sa pioche rare. Tout ça pour 17,25€, donc tout simplement le prix du pack. Sinon, vous êtes toujours possibilité de souscrire Club Fortnite pour 12€ par mois. Depuis le mois de décembre, vous avez l'ensemble de fidélité. Depuis le mois de décembre 2022, donc déjà, ça fait déjà presque 2 ans. L'ensemble de fidélité au club, donc des objets cosmiques exclusifs au club dans une nouvelle étape, vous allez dévorer chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous obtenez le Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League. Sur les appareils compatibles, plus d'infos sur fn.gg/rocketleague. C'est les passes de combat, ils vont pour 550 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci, en cadeau, c'est toujours Silax S en tenue hippique avec son sac serpentin, accessoire de dos hippique et l'écrou de S, c'est sa pioche rare. Donc tout ça pour 12€, les amis, si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager. Pour le petit soutien à la chaîne, les amis, n'hésitez pas à le faire. Le petit commentaire, le pouce bleu, n'oubliez pas de le mettre. Hein. Et regardez entièrement la vidéo, ça aide vraiment les chaînes. Sinon, ça, c'est comme si vous faisiez rien. Si vous faites que les vues, mais pas que vous regardez même pas une minute de la vidéo, ça ne compte pas, les amis. Ça compte juste la vue, mais pas le fait de la regarder et de faire évoluer la chaîne. Donc, n'hésitez pas à regarder vraiment la vidéo. Je vous le dis tous les jours maintenant. Donc, et si vous êtes arrivé à ce point-là, c'est déjà pas mal. Donc, mettez brasier en commentaire si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin.
Si t'es pas encore abonné, c'est en bas à droite que tu peux le faire, c'est totalement gratuit, donc je rappelle totalement gratuit, donc n'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit, et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines sorties vidéo, donc parce que vous êtes encore 85% à ne pas être abonné, à peu près 85 ou 86, je ne sais plus. Et pour le soutien, vous le connaissez par cœur, c'est le code qui a enflammé l'été dernier, qui réchauffe ton hiver là actuellement, 2023 et 2024 on va dire, donc et cette année, donc c'est le code BRASIER en majuscule, en minuscule, en boutique, vous pouvez fouiller, moi ça m'aide énormément. Et moi sur ce, je vous laisse, donc je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et à bientôt, bye bye!